juste avant de rentrer dans la cage, ça monte bien sûr le stress, tout ça. Une fois rentré, tu commences à te calmer un peu. Quand ça commence le combat, après les premiers coups, c'est bon, t'es dedans, tout le stress t'oublie et c'est parti quoi. J'ai combattu en France au début et après à travers l'Europe, partout un peu. Je suis allé jusqu'au Moyen-Orient, en Afrique, le Maroc, l'Asie. Et l'adversaire, il essaie de intimider justement, mais moi, ça me fait rien parce que moi, je suis là pour combattre justement. Donc. Surtout aujourd'hui, les choses, ça fait partie intégrale du MMA. Les organisateurs, les promoteurs et le public, ils veulent voir du show, ils veulent être divertis. On doit être un peu acteur en même temps. Du coup, il y en a, naturellement, ils savent jouer un rôle, mais il y en a, ils ne savent pas le faire. Du coup, ça se voit trop. Et moi, dans tout ça, j'essaie de rester moi-même parce que moi, je ne suis pas très bon acteur. Je sais que mon adversaire, il est un peu fou. Il fait des choses fous des fois debout. Il fait des frappes un peu aléatoires et au sol, un peu basiques. Du coup, ma stratégie est simple, quoi. Je rentre, je fais mon style, et mon style, ça consiste à, si je peux l'amener au sol, je l'amène au sol. Ça, c'est le papillon, les ailes des papillons. Faut pas faire trop rapide, sinon on risque de s'envoler, quoi. Là, on va se chauffer tranquille, on s'étire, on se prépare, et on commence à monter la température petit à petit. Ouais, c'est une position un peu bizarre, mais c'est yoga, ça, les gars. Il a beaucoup de points forts, ouais. Principalement son mental. Hein, c'est une de ses qualités. Son mental fort, du guerrier. Je me dis juste, ok, oui, j'ai peur, j'avoue, j'accepte. Déjà dans ma tête, juste de faire ça, ça me facilite beaucoup de choses, déjà. Parce que de avouer à soi-même ses peurs, ça facilite un peu. C'est comme si un fardeau qui tombe de toi. Entre le combat, le bleu rouge, now please. Premier round. Regarde bien ce que je te dis, Charlie. KO premier round. Mais salto, tout peut arriver. Aujourd'hui j'ai gagné, demain on peut perdre, mais on s'en fout. Ah, j'ai tout appris. Merci à Ragnar pour les techniques. Voilà, c'est le plus important. Bravo mon frère, machallah, bravo mon frère. T'as pas besoin en fait beaucoup de monde autour de toi. Il suffit une, deux, trois personnes qui sont bien, qui vont s'occuper bien de toi, qui vont vraiment gérer leur cœur, et ça va te faciliter beaucoup de choses.